Il n'est pas nouveau dans le nid des corbeaux et les habitudes sont restées plutôt les mêmes. Pour sa première séance d'entraînement ce lundi 17 octobre à Kamalondo, Pamphile Miayo a fixé les règles. Dans la vie d'un footballeur que nous sommes, pour réussir, c'est la discipline. C'est la discipline. La discipline, il y a tout. La discipline englobe plein de choses. Comment est-ce que vous devez vous habiller pour monter sur le terrain, faire le boulot? Comment est-ce que vous devez vous comporter vis-à-vis de vos dirigeants techniques, administratifs, je ne sais pas, même le public, comment se comporter devant le public? On doit tous travailler dans la communion d'esprit, la sincérité surtout, et l'honnêteté. Discipline oui, mais surtout rigueur et entente mutuelle entre joueurs. Le désormais coach du tout-puissant Mazimbe a un objectif à court terme. On n'a pas été bon tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à se qualifier. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, oublions comme l'a dit le président et mettons-nous sérieusement au travail pour sauver la saison et préparer la saison prochaine. Sauver la saison, c'est faire mieux. Déjà par rapport au match qu'on va jouer déjà mercredi là, dans le compte de la Lina Foot, ben, il faut jouer ce match-là avec beaucoup d'envie. Pour réussir, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup de présence physique d'abord. Le mental doit être costaud, nous devons être forts mentalement sur le terrain pour gagner ce match-là. Il y a le match de barrage qui va arriver pour le compte de la Coupe de la Confédération. Ben, il faut aller gagner ce match-là pour se qualifier, pour continuer dans cette compétition africaine, malgré que c'est la deuxième après la Champions League, c'est la Confédération. C'est aussi important. C'est avec Andy Magloire Mfoutila, un autre revenant au poste d'entraîneur adjoint, que Baba, comme il se fait appeler, va tenter de relever le défi. Un rêve permis quand on s'appelle tout-puissant, mais qui va appeler à d'autres concours, notamment l'apport des supporters. Visiblement, les joueurs ont semblé avoir déjà digéré la douleur de l'élimination à Ligue des Champions. Les grands clubs ne meurent jamais, dit-on, et à Mazembe, les fils maison serrés, les grands dépanneurs, une approche qui a tendance à se confirmer.